Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire de grandes manches sans avoir de mégaton à votre os. Et si vous voulez, vous allez même pouvoir progresser dans vos armes pour faire le camouflage Dark Matter. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra un mégaton divisé en deux et il faudra tuer une des deux parties. Quand il vous reste une seule partie du mégaton, ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'accélérateur de particules. À ce moment-là, vous allez devoir faire en sorte que la partie du mégaton qui reste se mette derrière la petite rampe, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Dès qu'il est derrière cette petite rampe, vous vous laissez tomber vers les machines qui se trouvent juste en dessous et vous faites le même chemin que moi. Si vous avez bien réussi cette étape, à ce moment-là, la partie du mégaton qui reste va commencer à foncer contre un mur. Et elle foncera en illimité dans ce mur et elle restera bloquée jusqu'à la fin de votre partie. Donc si vous ne le tuez pas, il ne disparaîtra pas et il n'y en aura pas d'autres qui apparaîtront. Cependant, vous allez devoir rester à l'accélérateur de particules parce que si vous changez de zone, il va despawn et respawn autre part. Donc il va falloir recommencer le glitch si vous voulez le refaire bugger. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit glitch assez facile à faire. Comme ça, vous allez pouvoir faire pile-up les zombies à cet endroit-là, à l'accélérateur de particules. Alors pour faire ce petit pile-up, il vous faudra l'hélicoptère d'attaque que vous achetez à la table de craft. Alors quand vous avez l'hélicoptère d'attaque, vous allez devoir vous rendre à la rampe comme moi je le montre dans le gameplay. Essayez de prendre les points de repère que vous voyez dans le gameplay. Et là ce que vous allez devoir faire c'est avancer vers la barricade, appuyer sur X et puis appuyer sur flèche de droite pour activer votre hélico. Il faudra absolument que vous avanciez vers l'avant pour que quand vous appuyez sur X, le personnage monte sur l'obstacle. Et ensuite vous activez votre hélicoptère d'attaque. Si vous n'avancez pas vers l'avant avec votre personnage, le personnage va tout simplement sauter au-dessus de l'obstacle. Et donc ça ne fonctionnera pas. Alors si vous avez bien réussi, les zombies piloperont tous à un seul endroit. Et là vous allez pouvoir leur tirer dans la tête si vous voulez débloquer le camouflage Dark Eater. Ou alors vous prenez l'amélioration Nova 5 de l'arme spéciale et là vous allez pouvoir passer des manches en illimité. Alors pour ceux qui ont Cronus Max, je vous mettrai en description et en commentaire un script qui vous permettra de passer les manches en illimité sans rien faire. Vous aurez juste à mettre le script dans votre Cronus Max et ensuite à appuyer sur flèche de gauche pour activer le script. Et là, votre personnage va jouer tout seul. Il va tirer avec son arme, il va recharger l'arme spéciale et il activera son spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Donc voilà, le script sera en description pour ceux qui veulent. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh.